C'est la fermeté de l'or à la fin de la semaine qui a empêché le recul du marché des autres valeurs cotées. Et alors, Henri, vous aviez raison, ils ont relevé les dividendes. Je vous dois un verre, hein. Billy. Un moment, monsieur. Je vous écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, excusez-moi, ça sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes devenu électronique? Un nouveau truc, tout transistorisé. J'ai sur moi ma secrétaire. C'est très ingénieux. C'est Henri qui m'a fait connaître ça. Il doit avoir des actions chez le fabricant. Comment ça marche? En réalité, c'est très simple. Quand ma secrétaire veut me parler, elle alerte le service de liaison rapide. Celui-ci transmet un bip et aussitôt, je téléphone. Alors, exécutez-vous? Non, inutile. C'était pour vous rappeler que c'est l'heure de notre conseil d'administration. Henri? Je vous suis. Excusez-nous, voyez-vous. Je n'oublie pas que vous me devez un verre. Hein? Vous me le ferez dès demain. Je vous demande pardon. Oh, ce n'est rien. Il n'y a pas de... Excusez-moi. Depuis la guerre, le plein emploi, la montée des prix, nos niveaux de vie qui augmentent sont les facteurs principaux du rebondissement économique que nous connaissons, accompagné inévitablement de l'inflation. L'avenir immédiat de notre industrie, messieurs, est brillant. Pour la compagnie, nous n'avons rien à craindre. Les espoirs...